équipes de Paris Matin ont œuvré pour pouvoir préparer et ouvrir ce village dans les temps. Merci beaucoup. Bah, écoutez, non, je voulais vraiment vous remercier d'être là et puis d'être là tout cet été. On est au début de cette semaine fatidique qui va être si importante. Dans deux jours, les premières épreuves commencent. En fin de semaine, on a la cérémonie d'ouverture qui est une première mondiale. Et puis, nos jeux ensuite prendront le large un peu partout. Et donc, je voulais vraiment remercier l'ensemble des équipes qui se sont engagées. Je le sais aussi parfois depuis longtemps, mais là, qui vont être vraiment au cœur du chaudron, si je puis dire, dans ce village olympique qu'on a inauguré ensemble il y a quelques semaines maintenant, pour vous occuper des athlètes, de la compétition, et que les choses se passent bien. Donc, je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur, au nom de toute la nation, de nous permettre de vivre ces Jeux dans les meilleures conditions. La France est très fière d'accueillir ces Jeux olympiques et paralympiques, mais ce que vous allez permettre, c'est simplement d'en faire une réalité. Et donc, je veux vraiment remercier toutes les équipes, évidemment le COJO, l'ensemble des gestionnaires du village et du site. Remercier, cher David, l'ensemble du mouvement olympique français. Et puis aussi tous les bénévoles qui sont là et qui vous accompagnent, qui sont à vos côtés et qui vont vous permettre de réussir. Mais merci du fond du cœur de la part de toutes les Françaises et tous les Français de nous permettre d'accueillir le monde, l'olympisme et d'avoir des très grands jeux. Merci à vous. Merci beaucoup.